السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير من هذا فيروس كورونا المستجد. Dans cette séance, je vais vous présenter des exercices concernant la leçon de l'attention alternative sinusoïdale. Exercice 1. La vitesse de balayage de l'oscilloscope ISH ou bien B égale 1 milliseconde par division. La sensibilité verticale de l'oscilloscope ISV égale 2 volts par division. Combien de périodes compte-t-on sur cet oscillogramme? Voilà l'oscillogramme. هذا سجيل يعني شاشة رسم تذبذب. B calcule la période T de cette tension. C calcule la fréquence F de cette tension. Calculer la tension Umax de cette tension. Corrigé d'exercice 1. Alors, combien de périodes compte-t-on sur cet oscillogramme? Combien de périodes? Voilà. La période IA, c'est le temps nécessaire pour avoir la même valeur dans le même sens. La valeur de la tension, c'est 0 vers le haut. Maintenant, 0 vers le bas. Et donc, c'est pas le même sens. Maintenant, c'est la même valeur consécutive de la tension vers le même sens, ou bien dans le même sens. Et donc, c'est pas la période, la période. Deuxième période et demi, c'est-à-dire 2,5 périodes. Il y a 2,5 périodes dans cet oscillogramme. B calcule la période T de cette tension. Voilà, on utilise la relation T égale B fois X, B, la sensibilité horizontale, fois X, X le nombre de divisions de la période. إذن x qui يساوي 1 juge 3 4 إذن x يساوي 4 division le nombre de division de la période يعني من هنا حتى لهنا avec t égal 1 milliseconde par division إذن كنختزلو division مع division كنلقاو 4 milliseconds on divise par 1000 pour convertir en seconde. Et donc, je vais changer la seconde, 0,04 seconde. C calcule la fréquence F de cette tension. Comme vous avez vu dans le cours, la fréquence et la relation entre la fréquence et la période, c'est F est égal à 1 sur T. T doit être en seconde pour avoir la fréquence en Hertz. L'application numérique 1 sur 0,004 égale 250 Hertz. D, calculer la tension Umax de cette tension. La même chose, on applique la relation Umax égale SV fois Y. Y, c'est le nombre de divisions pour avoir la valeur maximale. Il y a une question la division de division. Y, c'est oui, de division SV égale 2 volts par division. Alors, U max égale 2 volts par division fois 2 divisions égale 4 volts. On passe à l'exercice 2.
La fréquence de ces tensions sinusoïdales IF est égale à 100 Hz. La tension maximale U max de ces tensions I 1 volt. Voilà le oscillogramme. Calculer la période T de ces tensions. B, calculer la vitesse de voilayage, c'est-à-dire la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. C, calculer la sensibilité verticale SV de l'oscilloscope. Corrigé d'exercice 2. A, calculer la période T de cette tension. Voilà l'oscillogramme. Il contient une seule période. Pour calculer T, on utilise la formule F égale 1 sur T. Donc T égale 1 sur F, application numérique, F ou bien T égale 1 sur 100 égale 0,01 seconde. B, calculer la vitesse de voilayage B de l'oscilloscope. 1. L'oscillogramme contient une seule période de cette tension pour le nombre de divisions de la période égale 10 divisions. T égale 0,01 seconde. Donc, comme T égale B fois X, T est égal à la sensibilité horizontale fois X, le nombre de divisions de la période, alors B égale T sur X égale 0,01 divisé par 10 divisions égale 0,01 seconde par division. Mumkin hawlo al milliseconde, on multiplie par 1000. Donc égale 1 milliseconde par division. C, calculer la sensibilité verticale SV de l'oscilloscope. On utilise la relation entre U max I, la sensibilité verticale, et le nombre de divisions pour avoir la tension maximale. U max égale 1 volt, I y égale 2 divisions, or U max égale SV fois Y, donc SV égale U max sur Y égale 1 volt sur 2 divisions, et dans 2 divisions, il y a simplement un homme de l'axe horizontal, il y a 2 divisions. Alors, SV égale 0,5 volts par division. I, merci. Et donc, je vous remercie de vous remercier 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 de vous remercier.